Bonjour à tous et à notre paroisse invisible. Traçons-nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Dans l'évangile de Matthieu. Comme Jésus est entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé, il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai les soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va, à un autre vient, et il vient, et à mon esclave fait ceci, il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Acclame la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Et alors même, le serviteur fut guéri. C'est extraordinaire si on y réfléchit, que une demande du centurion, désintéressée, elle n'est pas pour lui, elle est pour son serviteur. Et à cause de la foi, ou grâce à la foi du centurion, le serviteur est guéri. Et là, revient peut-être à notre esprit plein de demandes que nous avons faites. Et finalement, nous constatons qu'elles n'ont pas forcément été exaucées. Et c'est un moment finalement de désolation peut-être pour nous en disant « Mais où était Dieu à ce moment-là? Où était Dieu ?» Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'avait pas la foi, que la demande n'a pas été sans foi, tellement on a insisté. Et pourtant, nous n'avons pas eu la réponse espérée. Et dire que nous n'avons pas eu la réponse espérée ne veut pas dire que nous n'avons pas eu de réponse du tout. C'est à nous d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre cœur pour voir la réponse de Dieu. Parce qu'autrement, quel serait ce Dieu dans lequel nous croyons si nous croyons qu'il n'est pas agissant? Si, quand nous demandons quelque chose qui est pour nous important, il ne nous donne pas. Non. L'amour de Dieu est de toujours à toujours. Et ce que vise Dieu, c'est notre bonheur, mais pas forcément à court terme, mais à moyen et long terme. Et peut-être que des fois, effectivement, il nous faut passer par des épreuves que nous ne comprenons pas. Mais soyons assurés que dans ces cas-là, Dieu est là. Même si nous ne percevons pas sa présence aimante, il nous accompagne tout au long de notre vie pour nous aider à vivre toutes choses, les moments difficiles, mais aussi les moments de joie. Alors, une chose, surtout, pensez à rendre grâce, à dire merci, quelle que soit finalement la manière dont Dieu a répondu, sachant que pour nous, il nous entraîne sur ce chemin de bonheur. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne.